un million de personnes vivent à Tegucigalpa. La violence, en grande partie liée au trafic de drogue, y est omniprésente. La situation est particulièrement grave pour ceux qui vivent ou subsistent dans la rue, victimes régulières de violences et n'ayant pas accès aux soins. Les ambulances ne se rendent plus dans les quartiers dangereux et la seule salle d'urgence publique de la capitale est débordée. En 2011, MSF a commencé à sillonner les quartiers les plus défavorisés pour faciliter l'accès aux soins à ceux qui en sont privés. Le premier défi est celui d'assurer la sécurité des équipes. Le deuxième défi est d'intégrer une réponse médicale donc relativement complexe puisqu'elle touche et les violences physiques, sexuelles, psychologiques dans un système de soins qui est aussi relativement déficient puisqu'il y a d'énormes problèmes de ressources humaines, d'énormes problèmes d'approvisionnement en médicaments. Diagnostic, premiers soins rapides, soutien psychologique, tout cela se passe en plein air. Ceux qui ont besoin de soins plus approfondis sont ensuite orientés vers l'une des structures où MSF est présente. Peu à peu, l'équipe mobile gagne la confiance des patients et arrive à les convaincre de se faire soigner. Au cours des 9 derniers mois, l'équipe mobile a réalisé 4500 consultations dans la rue. Pour la troisième fois en 3 mois, Ami Diabaté emmène ses enfants dans le centre de santé de Koutiala au Mali. Ils reçoivent 2 médicaments sur place et rentrent chez eux avec 2 médicaments à prendre les jours suivants. 4 pilules à prendre chaque mois entre juillet et octobre, un geste simple aux conséquences immédiates. Avant, mes enfants avaient régulièrement des fièvres. Depuis qu'ils ont commencé à prendre ces médicaments, ils n'en ont quasiment plus. Au Tchad et au Mali, la distribution de la chimioprévention aux enfants a permis de faire baisser les cas de paludisme simple de 60 à 80%. À l'hôpital de Koutiala, on a tout de suite vu les effets dès les premiers jours de la distribution. Avant la distribution, on était à 300 enfants hospitalisés et dans les jours qui suivaient, on était à 150 enfants hospitalisés. Alors on avait plein de lits vides, on n'y croyait pas. Et surtout que dans les années précédentes, dans cette saison, on est toujours à pleine capacité. Ce traitement recommandé par l'OMS n'est pas la solution pour éradiquer définitivement le paludisme. Mais au Tchad, comme au Mali, où le paludisme est la première cause de mortalité des enfants, il permet de faire face à l'urgence. Au Somaliland, la majorité des naissances ont lieu sans aide médicale et le taux de mortalité des femmes lors de l'accouchement est l'un des plus élevés au monde. À l'hôpital de Bourao, MSF prend donc en charge la maternité et la pédiatrie tout en apportant son soutien aux autres services de l'hôpital en collaboration avec le ministère de la Santé. J'étais enceinte de mon 8e enfant. J'ai passé 2 jours et 2 nuits en travail, mais il ne voulait pas venir. Je voyais qu'il ne sortait pas. À mon avis, le plus compliqué au Somaliland, c'est que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi il faut pratiquer une césarienne ou une extraction obstétricale. Ils ne comprennent pas pourquoi nous devons aider les femmes à accoucher. Les gens pensent toujours que l'accouchement peut se passer normalement, mais dans les faits, ce n'est pas comme ça. Après 3 jours de travail, Yasmine a pu bénéficier d'une césarienne. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à venir accoucher dans l'hôpital de Bourao et les équipes MSF sont en train d'agrandir la maternité. En 10 mois, elles ont déjà aidé plus de 3500 enfants à venir au monde. Dieme raconte son histoire avec de grands gestes. Il y a 2 mois, alors qu'il était parti chercher de l'eau, il a été gravement blessé à la jambe par un homme en armes. À l'hôpital de Rutshuru, le chirurgien MSF qui l'a pris en charge n'a pas eu le choix, il fallait amputer. Aujourd'hui, le kinésithérapeute l'aide à se remuscler afin qu'il puisse bientôt marcher avec une prothèse.
MSF est présente à l'hôpital général de Rutshuru depuis 2005. Aujourd'hui, elle ne constate aucune augmentation du nombre de blessés, sans savoir si les combats ont vraiment diminué dans la région. Car il est possible que la violence fasse plus de morts que de blessés. Dans les couloirs de l'hôpital, Diémé, lui, se remet peu à peu et s'ajuste à sa nouvelle vie. La finalité, c'est une réintégration sociale de l'enfant qui doit reprendre le chemin de l'école. Et pour ça, MSF a pris contact avec le CICR qui prend en charge ce genre de choses. Donc l'enfant est mis dans le programme pour qu'on lui confectionne une prothèse et ainsi il pourra marcher comme tous les autres enfants et être décomplexé. Diémé quittera l'hôpital quand sa blessure sera cicatrisée. En attendant, il ne rêve que d'une chose, pouvoir retourner à l'école.